Il y avait Brune Leboeuf aussi ce soir-là. Ouais. Je me rappelle, j'avais passé à côté de Brune Leboeuf, puis là, je l'ai entendu, genre, murmurer à ce, je sais pas, son genre de gérant. Chris, c'est un gars, une fille, ça. Là, il a été distrait, c'est un gars, là. Il est entre les deux, en esti. La phrase m'a vraiment fait rire, puis j'ai écrit une chanson qui devrait sortir bientôt. Ça s'appelle Il est entre les deux, en esti. Non, ça s'appelle vraiment. Bon. Alors, là, nous autres, on a dit pour choisir une chanson. Ouais. Fait que. OK, on va regarder ce qu'il y a ici. T'as même pas ta gang, c'est sûr que c'est. Okay. Ton nom. J'adore cette chanson. Hey, c'est malade, hein? C'est prog. C'est très prog. C'est très prog. Tu sens l'influence jazzée, l'influence prog. Et dans le récit, c'est quand même drôle en vache. Moi, je pense que son chum, la fille, il est gay. Tu penses? C'est bon, il arrive tout le temps avec ses chums de gars. Il y a un accent. Ben, quand même en train de dire, viens-t'en dans la chambre, on va faire le party à deux. Puis il veut rester avec sa gang de gars. Je pense que c'est une des choses qui m'a... Un des albums québécois qui déjà m'a donné envie de chanter en français. Mais pas juste chanter en français, mais genre être fier de chanter en français. Mm-hmm. Moi, ça m'a influencé même dans un point genre de technique d'enregistrement. Ouais. De faire sonner des drums ou des guitares ou... Des fois, je trouve qu'ils vont comme dans l'extrême thème, juste blues, pour être... Ouais, comme... le blues à métropole, tu sens qu'ils réalisent que ça menait un peu nulle part. C'était un regard très lucide sur une époque, mm-hmm. très amusé. Puis ça reste... Les membres de ce band-là sont très, très brillants. Mm-hmm. Moi, la désir, je trouve ça bon, ça. T'aimes ça, toi? Je trouve que c'est une chanson hyper importante. Moi, il y a une chose, par contre, qui me fatigue un petit peu avec cette chanson-là. Puis en même temps, c'est un hommage, puis je suis le premier à faire plein d'hommages. Puis... Mais ça sonne beaucoup comme Charlebois. Il y a quelque chose... C'est raison, dans la rythmique, il y a quelque chose de très, très charleboisien. Maintenant, quand c'est arrivé, cette chanson-là, ça a tellement fait du bien, je trouve. Encore là, moi, j'étais jeune quand c'est sorti, mais je me rappelle que mon père la chantait. Tu sais, quand t'es jeune, tu comprends comme rien. Tu comprends pas les métaphores. Puis, je vis dans mes valises. Puis c'était juste... Toi, tu voyais quelqu'un qui vivait dans une valise. Ouais, qui se couchait dans la valise. Je sais pas trop. Chocolat. Ah, toi, Loulou. Ça, c'est super fort. Ça ferait du bien, tu sais, ça. Moi, j'avoue que ça ferait du bien. Tout ce que la gang de Jimmy Hunt touche, normalement, j'aime vraiment ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le show du Café des artistes. Ouais, bon, ça, c'est okay. Bon. Ça, oui, là. Mais ça serait comme trop précis. C'est trop. Que toi puis moi, mais ça. C'est exactement. Mais tu sais, ça reste comme. Tu sais, moi, j'ai écrit une. Tu sais, celui qui a fait la musique de cette chanson-là. Ouais. C'est Michel Robidoux. Ouais, oui. Quand j'ai travaillé avec lui, là, il m'a raconté plein d'histoires sur sa vie de tournée avec Charlebois, avec Ferré, avec Ferland et compagnie. Mais j'ai surtout eu la chance de rencontrer ce bonhomme-là qui est une gentillesse et une intelligence et une sensibilité complètement folle. Et cette chanson-là reste pour moi dans le top, mettons le top 3 des plus grandes chansons qui se sont faites au Québec. Mais on la nommera pas juste pour pas faire cliché. Oh shit, illégal, moi ça c'est. Moi j'adore ça, genre. Moi aussi j'aimerais ça. Ouais, sérieux? Ben, c'est juste. C'est une des seules chansons que j'ai déjà chantées dans un karaoké. De toute ma vie. Non, je chante jamais de karaoké. Fais chier. Moi je chante pour travailler, fait que quand je fais le party, je vais pas chanter. C'est ça, genre. Et c'est comme ça, fuck avec le karaoké. C'est que j'aurais le goût d'aller chanter des tunes que j'aime. Tu sais, je veux dire, je fais ça dans la vie, tu chantes. Ouais, je comprends. Bien. Je comprends le malaise. J'ai pas le goût, genre, d'aller là, puis genre, vraiment bien chanter la tune. Fait que ce que je fais, c'est que je prends des tunes qui sont pas dans mon registre, genre qui sont vraiment trop graves. Tu restes dessus. Comme ça, je chante vraiment, vraiment mal comme tout le monde. Ben, tu vois, illégal, je pense qu'elle était définitivement trop haute et j'ai chanté comme la merde et ça faisait un peu mon affaire. OK, Robert Charlebois, qu'est-ce que t'en penses, toi, de Charlebois? Ben là, c'est mon artiste, un de mes artistes québécois préférés. OK, moi aussi. Genre de tous les temps. Ouais. Mais tu m'as inspiré vraiment beaucoup. Moi, je peux faire une thèse de doctorat sur Charlebois. Ouais. Je peux même dire que je pense que j'ai fait mon plan de carrière sur son plan de carrière jusqu'à ce qu'on arrive dans les années 80. Où là, je trouve qu'il s'est un peu... Ouais. Je sais pas, il a perdu sa folie, en fait, puis sa liberté de gang. Mais bon, OK, Charlebois, on s'entend, mais je reviendrai à Montréal. C'est peut-être pas la chanson qui m'allume le plus. Je l'aime vraiment, moi aussi, je l'aime beaucoup, mais... Moi, c'est Jean-Pierre Ferland, Charlebois ou Beau Dommage, là, à date. Là. Mm. Je pourrais identifier comme un point commun. Ouais, moi aussi. OK, on est OK. On fait que là, on avait quoi? On avait même pas ta gang de Beau Dommage. Sinon, on avait Charlebois qui nous qui avait... Qui était là. Qui mais était c'est là. Que je reviendrai à Montréal. C'est ça qui est poche. Ouais, c'est pas la chanson la plus folle. Sinon, ça avait été tous les quartiers. Tous les quartiers, là, je pense qu'on serait entendu. Ouais, là, on serait entendu. Moi, j'irais peut-être avec Amène pas ta gang. OK, Amène pas ta gang. Ouais. Parce que, je l'écoute souvent, cette chanson-là, en plus. Moi, je pense qu'on va mettre ça. On s'entend là-dessus. Bon, fait que là, comment ça marche, cette affaire-là? Ben là, on va payer. J'ai un. Ouais, c'est vraiment bien. Tu me laisses payer? C'est moi qui gère l'argent. OK. Clac. J'ai. Merci. Un. Un.
Hé, hey, mon Dieu, le mécanisme fonctionne. Moi, je dis qu'on le met à high. Elle veut se faire caresser. J'ai donc dans la chambre avec moi. Je suis tannée de les voir. Parler de sport, parler de char. Laisse ta gang dehors.